Bonjour à tous, c'est Onyx. Aujourd'hui, on va tester le jeu Dead Rising 2, sorti sur 360, PS3 et PC. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le jeu, le beat'em all action zombie gore de chez Capcom. Allez, c'est parti, on commence. C'est la suite du premier Dead Rising sorti sur Xbox à l'époque. Je pense qu'il n'est pas sorti sur PS3 et PC. C'était juste exclusif à la Xbox. Et voilà, alors je vais choisir on a trois emplacements de sauvegarde, je trouve que c'est peu. Surtout pour, parce que là on est sur la version PC. Franchement, ils auraient pu faire un effort, je sais pas, faire des emplacements illimités, mais là on en a droit qu'à trois. Donc je vais pas trop vous spoiler le scénario, même si vous verrez que le scénario est pas très étoffé. Voilà, je vais faire la deuxième mission du jeu. On va commencer dès la deuxième mission. Voilà, pour vous expliquer un peu les gameplays, tout ça. Ah, une cutscene s'est lancée. Voilà. Est-ce que je la laisse? Est-ce que je la garde? Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais la passer. Hein. De toute façon, je vous expliquerai un peu le début du scénario. Au début. Alors là, on nous explique comment se passe le scénario. Voilà, je vais passer. Alors voilà. Comment se passe Dead Rising 2? Alors, par quoi je vais commencer? Oui, je vais commencer un peu par le scénario, alors. Alors voilà, on incarne Chuck. Un motard, bon, même si là ça se voit pas comment il est habillé, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi il est habillé comme ça. On incarne Chuck, on est avec notre petite fille dans un centre commercial de Las Vegas pour faire un show de motard, voilà, un spectacle à Las Vegas. Et ce grand centre commercial, c'est pas vraiment un centre commercial, c'est une zone, hein, c'est comment elle s'appelle la zone? Alors attendez, je vais voir dans la map, j'ai oublié complètement. Fortune City, voilà. Fortune City, c'est un grand centre où, voilà, il y a un centre commercial, des salles de spectacle, etc. C'est fait envahir par une horde de zombies, voilà. Et nous, on est les survivants avec, vous voyez qu'on a quelques survivants avec nous. On s'est enfermé dans l'arrière-garde du centre commercial. Et voilà, on est quelques survivants. On a ce type-là, cette femme. On a nous. Et Chuck est aussi avec sa petite fille qui est là. Vous voyez, Katie. Qui est ici, qui a survécu avec son papa, Chuck. Et nous, on essaye de s'en sortir. Voilà, on s'est enfermé cette arrière-garde du centre commercial, car les militaires, l'armée, va venir sous 72 heures, 3 jours. Et on est ici, on doit survivre en attendant l'arrivée de l'armée. Mais Katie, la petite fille de Chuck, là, que vous voyez, a été mordue par un zombie. Donc, le but du scénario principal, c'est de lui apporter son antidote tous les jours, sous 72 heures, pour qu'elle puisse survivre. Vous voyez, regardez. Ah non, attendez, là c'est la map, je me suis trompé de touche. Voilà, ça c'est notre journal de mission. Vous voyez que la première mission, c'était de lui amener du Zombrex, c'est l'antidote. Et il y avait marqué, il est bientôt 7 heures, je ferais mieux de lui chercher du Zombrex. C'est-à-dire que elle doit prendre son traitement entre 7 heures du soir et 8 heures du soir. Et voilà l'un des premiers défauts du jeu, c'est le temps en temps réel. Vous voyez que sur sa montre, il est marqué 9h AM, il défile en temps réel dans le jeu. Et on doit faire les missions avec le temps. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, là c'est ma deuxième mission. Là, la première mission, je l'ai réussie, elle est un peu en transparence. Vous voyez, trouver du Zombrex pour Katie. Avant 7h, ça je l'ai fait. Et la deuxième mission, qui est ici. Objectif, trouver la journaliste destination Fortune City Hotel. Je dois trouver la journaliste dans le hall de l'hôtel. Elle est limitée dans le temps. Vous voyez que le titre, dossier 1, 2, vivant et sur place, en dessous de ce titre, il y a une barre blanche. Cette barre blanche va diminuer petit à petit. C'est notre temps pour faire la mission. Si on n'arrive pas à faire la mission avant que la barre se termine, ben le scénario va changer, on aura un scénario alternatif, on aura raté la mission, soit on nous proposera de quitter le jeu, de recommencer toute la mission dès le début sans perdre de temps, soit on nous proposera de faire un scénario alternatif où on aura échoué dans la mission. Et c'est pareil pour Katie, si on ne trouve pas le Zombrex à temps, ben elle se transformera en zombie, soit on nous demandera de continuer la mission. Ou sinon de refaire la mission dès le début en chargeant une sauvegarde. Et moi je trouve que c'est un défaut du jeu. Vous verrez, on peut pas profiter du gameplay du jeu avec ce satané temps. Parce que même il est assez long, hein, vous allez voir que c'est lent. Mais voilà, qu'on peut pas profiter du jeu pleinement. On doit toujours faire attention au temps, etc. Donc c'est un peu naze.
Voilà, je vous ai expliqué un peu le début du jeu, du scénario, même si c'est pas très étoffé, hein. C'est scénario de zombies, on se croirait dans un film de Romero. Voilà quoi, le scénario, c'est voilà quoi, c'est pas très 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 étoffé, mais c'est suffisant pour ce style de jeu de zombies. Ça me fait penser aussi au film, je vous ai encore montré, ça me fait penser aussi au film Zombieland, si vous l'avez vu, c'est un sacré bon film. C'est bien marrant, ça ressemble beaucoup à ce jeu, c'est un hommage, je dirais même. Et voilà, c'est un très bon film. Alors, oui, les points de sauvegarde, comme dans le premier Dead Rising, c'est les chiottes. Tout simplement, on ira aux chiottes, regardez. Points de sauvegarde, bon, je vais pas sauvegarder. Et tous les chiottes du centre commercial seront les points de sauvegarde. Alors, les placards des vestiaires, c'est un peu pour changer de look. Alors voilà, mon look de Chuck, je l'ai un peu changé, il était pas comme ça, il était plutôt habillé comme ça, voilà, en motard, sans le chapeau ni rien. Et on peut même le foutre pieds nus, en bottes de motard, etc. On peut le mettre en caleçon, regardez Chuck en caleçon. Voilà, on peut le modifier comme on veut. On a du contenu téléchargeable pour télécharger des tenues, même si j'ai pas. C'est un peu de l'arnaque tous ces trucs de contenu téléchargeable, j'ai pas fait. Voilà. Et on peut carrément lui enlever toutes ces tenues, la tenue par défaut de Chuck, voilà, c'est celle-ci. Mais vous verrez que dans le centre commercial, on peut le saper avec plusieurs tenues. Dans le centre commercial, oui, car les magasins sont ouverts et dans chaque magasin, il y a des tenues. On pourra s'habiller avec tout et n'importe quoi, même avec des tenues de femmes. Ça, c'est drôle, ça, c'est assez fun. Voilà, alors ça, c'est le flic qui gère un peu l'arrière-garde du centre commercial, là où on s'est planqué. C'est un peu le gérant, genre c'est lui qui fait la loi un peu ici. Donc voilà, il sait que notre fille s'est fait mordre, donc il se méfie un petit peu de nous au début. Alors voilà, là, on doit passer par ici pour aller au centre commercial pour faire l'émission. Comme la porte centrale est fermée à cause des hordes de zombies, on est obligé de passer par là. Je pense, je vous ai encore rien montré. Alors, je vais essayer de passer. Ah, écoute, Sullivan, il nous dit quelque chose, voilà, le flic là. Ah oui, là, c'est pour la clé de salle de maintenance, oui, qui est très important, vous verrez. Ça un peu plus tard, hein, je vais passer. Alors, on a une clé. Dans tout le centre commercial, pas que le centre commercial, moi je dis le centre commercial, mais ça me fait penser au premier Dead Rising, mais c'est plus qu'un centre commercial, c'est un grand centre. Il y a plusieurs endroits. On aura des salles de maintenance avec des portes rouges. Et ces salles de maintenance vont nous permettre de fabriquer nos propres armes avec certaines armes qui peuvent se combiner. Vous verrez ça un peu plus tard, bon, je vais passer, voilà, il nous a passé une clé pour ouvrir ces salles de maintenance, un petit temps de chargement, ça aussi c'est un petit défaut du jeu, on fera souvent des allers-retours et on aura tout le temps ces temps de chargement. Alors voilà, on a 70 heures maintenant avant l'arrivée de l'armée, tout est géré avec le temps dans le jeu. Alors voilà, les quêtes annexes, les missions annexes, voilà, là on nous demande d'appuyer sur la touche T, voilà, là j'ai reçu une nouvelle mission, par une amie à nous qui est à l'arrière-garde du centre commercial. Elle nous dit, voilà, les malheureux des uns, voilà, on a une mission perdue aussi, voilà, on a deux missions annexes, elles aussi qui sont gérées avec le temps, et on nous propose de les faire. Mais vu que celle-ci aussi est gérée par le temps, la mission de base, ça va être un peu chaud, même si on a le temps, hein, mais voilà, quoi. Il faut se presser dans le jeu et ça je trouve ça dommage qu'on puisse pas prendre notre temps. Alors voilà le gameplay, comment ça se passe? Est-ce que je vous montre ça maintenant ou j'attends que les zombies arrivent? Voilà, je vous ai encore rien montré, bon, je vais tracer un petit peu. Alors voilà, vous voyez par terre il y a plusieurs objets avec des icônes. Alors les icônes orange sont les armes qu'on peut ramasser mais qui vont être vite comment dire qu'on pourra pas modifier. On pourra pas les modifier, c'est-à-dire dans les salles de maintenance, on pourra pas les fusionner avec d'autres objets pour faire des armes plus puissantes. Les icônes bleues avec une clé, ce sont les armes qu'on pourra modifier justement. Et les icônes vertes qu'on ramasse, ce sont de la nourriture, ce sont un peu pour qu'on se régénère nos points de vie. Allez, je commence. Ah là, je pars, vous avez rien vu du tout. Je suis pitoyable. Alors voilà. Les premiers zombies du jeu, hein. C'est pas vraiment les premiers, mais hein, qui sont là. Et là, regardez, Chuck a remarqué la porte de salle de maintenance. Et il va tester la première salle de maintenance du jeu. Une batte de baseball. Des clous. Ah, ça fait penser un peu à MacGyver. Ah là là, ça me fait même marrer, regardez, avec son petit sourire en coin. Alors,
Regardez comment ça va se passer, comment on fusionne deux cartes. Alors voilà, on a une carte combo. Voilà, regardez, batte de baseball plus clou, ça fait une arme. Alors voilà, les cartes d'objets là, comme celle-ci, voilà, tout est expliqué. Carte combo. Les cartes combo sont des plans qui permettent de créer de puissantes armes combo. Vous trouverez toutes vos cartes dans l'écran carte combo. Bon, bref, je vais passer. Ces cartes combo nous permettent de fabriquer des nouvelles armes, comme je vous dis, en combinant des objets. Et comment on a ces cartes combo? Ben, tout simplement en augmentant le niveau. Vous voyez en haut à gauche, il y a marqué NV2, niveau 2. C'est notre barre d'expérience. Regardez PP, ça c'est la barre d'expérience. Et quand on tue assez de zombies et qu'on réussit assez de missions, ben, on passe au niveau 3 et on gagne des cartes combo, on est plus puissant, etc. Et notre barre de vie, c'est les cartons jaunes, là, les carrés jaunes. Vie, il y a marqué, voilà. Et en dessous, c'est l'argent, 24 000 dollars. C'est l'argent, va servir énormément dans le jeu. Bon, bref, je vous parle et encore rien montré, j'ai dit ça tout à l'heure, mais voilà. Alors, je prends cette batte de baseball, plus les clous, et là, attention, MacGyver, écoutez. Et voilà, ça me faisait trop penser à MacGyver, quoi. Avec deux trois trucs et ça fabriquait n'importe quoi. Regardez là, bon, c'est pas très n'importe quoi là, c'est assez utile, une batte de baseball avec des clous, mais vous verrez que plus tard on fabriquera n'importe quoi. Et ces armes qu'on fabrique nous permettent de gagner plus de points d'expérience. Alors les combats, comment ça se passe? Quand on bourrine sur la touche d'action, voilà, il met des petits coups. Regardez, il y a marqué 50 pp, c'est les points d'expérience qu'on gagne. Regardez, 50 pp, à chaque fois que je touche un, c'est 50 pp, points d'expérience qu'on gagne. Voilà, ma barre augmente un petit peu par zombie tué. Et quand on reste appuyé sur la touche d'action, regardez, il y a plein de sens, c'est assez gore. Et quand on reste appuyé sur le bouton action, regardez, il fait une attaque spéciale avec ses armes modifiées. Regardez, hop, plante dans la tête, et voilà. Ça, c'est, on gagne plus de points d'expérience en faisant. Mais ça prend plus de temps parce que faut rester appuyé sur la touche. Regardez. Voilà. Ça se dit que les deux partout, 200 pp. Et voilà. Mais avec les armes spéciales, on gagne moins de points d'expérience, bien évidemment. Alors on peut ramasser tout et n'importe quoi. C'est ça qui est fun dans les Dead Rising. Regardez là, voilà. Là, on se retrouve dans le centre commercial. Regardez le nombre de zombies affichés. C'est assez impressionnant. Et encore là, c'est rien du tout. Il y a une zone où il y en a encore plus. C'est assez impressionnant, même si je trouve que le framerate des FPS chute un petit peu dans les zones d'extérieur, même si là non, ça chute pas trop, mais à l'extérieur oui. Alors là, voilà, on peut ramasser tout et n'importe quoi. On est dans un centre commercial vraiment, et là on peut ramasser tout et n'importe quoi pour attaquer les zombies. Là, j'avais ramassé un peu plus tôt des gants dans une salle de sport pour faire du karaté là, ou je ne sais quoi, taekwondo là. Regardez, hop, je le frappe avec. Genre jeu de baston classique, mais on peut frapper avec tout et n'importe quoi. Par exemple là, regardez, j'ai une batte de baseball avec une balle. Et regardez. Voilà, ricochet, j'en ai tapé deux. C'est assez drôle, regardez, avec tout et n'importe quoi. Hop, ricochet encore une fois. C'est assez fun. On peut jouer au baseball, regardez. C'est assez drôle. Il y a quoi encore quand même? Il y a tout et n'importe quoi. Regardez, par exemple là, une bombe de peinture. J'ai balancé ma batte de baseball. Peut avoir 5 armes sur soi. Hein. Regardez là, la bombe de peinture. Je vais un peu taguer leur gueule. Il devient rouge. Ah, c'est drôle. Avec tout et n'importe quoi. Et en appuyant sur le bouton viser, voilà, une touche visée, on peut viser avec plus de précision ou balancer des armes. On peut balancer aussi des armes. Alors là, ils arrivent. On est dans la salle de hip-hop un peu là. Regardez le gant là, genre foot américain, tout ça là. Je peux taper avec, regardez. Je leur mets des baffes avec. Ah là, je me suis fait attraper. Il faut que je bouge la souris de droite à gauche. Voilà. Alors là, c'est pour balancer les objets. Regardez. Hop. Ça sert à rien. Hein. Une caisse enregistreuse avec de l'argent dedans. En plus, l'argent nous sert. Donc, quand on la balance sur les zombies, et il y a de l'argent. Hop. On ramasse 400 dollars. Des vinyles. Regardez, des vinyles carrément. Des pochettes de vinyles. Ah, j'ai un petit ralentissement. Ouais, ça, c'est parce que c'est dû à frappe. Je capture avec frappe sur PC. Donc, enfin, ça me ralentit un petit peu, mais rien de bien méchant. Et voilà, regardez, une pochette de vinyle, des enceintes. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus fun dans le jeu, c'est de tester tout le gameplay, tout ce qu'on peut ramasser, etc. C'est assez drôle. Regardez, alors les tenues, je vous expliquais, regardez, là je m'habille en hip-hop. Carrément, il se la joue hip-hop.
Ça, c'est drôle. Je ramasse ma batte de... Ah non, mince, je me suis trompé, j'ai repris ma tenue de motard. Bon, c'est pas grave, on va changer de magasin. Bon, je vais pas vous faire l'émission dans le jeu, hein. Franchement, le scénario m'a assez ennuyé. Je trouve pas ça très intéressant. Allez, là, il est partenaire avec Playboy, carrément. Carrément, je sais pas si on peut taguer, non, on peut pas. Mais carrément, une vraie image de Playmate. Ils sont pas chers chez Capcom. Voilà, je vais pas vous faire le scénario, je vous ai dit, je vais jouer plutôt à vous montrer un peu le gameplay, tout ce qu'on peut ramasser, tout ce qu'on peut faire. Et voilà, le scénario n'est pas très très intéressant, moi je préfère jouer comme ça. Alors un tabouret, viens là toi, il est où? Il est où l'autre? Il était là. Alors toi, tu vas bouffer du tabouret. Voilà, est-ce qu'il y a une tenue ici? Je ne me rappelle plus. Voilà, une tenue de... Ah non, ça c'est une... Voilà, un chapeau de... Comment il s'appelle déjà? Billy Croquette, non, c'est pas ça, pas Billy Croquette. David Croquette, David Croquette. C'est quoi ça? Bob de tourisme. On peut s'habiller avec tout et n'importe quoi. Là encore, c'est les chapeaux. Il y a les tenues. Attendez, je sais qu'il y a des tenues un peu partout là. Ça, c'est un... On est dans un environnement fermé dans le centre commercial, mais vous verrez qu'il y a des environnements à l'extérieur. Voilà, dans un magasin d'Indien. Je vous prendrai un arc et des flèches. Regardez, on se prend pour Robin des Bois là. Ça, c'est fun. Franchement, encore là, je vous montre un peu les armes traditionnelles, mais... Je vais pas montrer les armes les plus loufoques du jeu. Bon, attendez, je vais prendre la caisse enregistreuse parce qu'il y en a un qui arrive là. Non, c'est de ce côté. Voilà, il arrive. Je vais le blaster avec une caisse enregistreuse. Je vais me prendre un peu l'argent. Alors là, il y a une hache, une tomahawk. Petite hache bien efficace. Qui tranche très rapidement. Dans le jeu, il n'y aura pas que des combats avec les zombies, bien évidemment. Hein, sinon, ce serait trop lassant. Déjà que moi, je trouve le jeu assez répétitif, même s'il nous propose pas mal de variétés dans les coups, etc. Ça reste un beat bémol, hein, pour moi. On avance, on frappe, on avance, on frappe. Voilà quoi. On sauve des gens aussi pour gagner des points d'expérience dans les menus. Dans les missions. Mais ouais, j'ai tranché son bras, lui, carrément. Vous voyez, il y a son bras qui est par terre. Je peux le ramasser pour le rebalancer aussi. Voilà, je trouve ça assez répétitif, même si c'est assez fun de tester toutes les possibilités de gameplay dans le jeu. On peut frapper avec tout n'importe quoi. Je trouve ça assez répétitif. Alors là, on est dans le magasin de sport. Allez, je prends des gants de boxe. Je vais aller me tataner, me prendre à la punch-out. Regardez. C'est drôle. Oui, je vous disais, on va pas combattre que des zombies. On aura aussi des combats avec des vrais hommes. On aura des pillards qui vont piller des magasins. Bon, nous aussi, vous allez me dire en même temps, on pille des magasins, mais... ouais, on aura des pillards qui vont essayer de nous attaquer. Et on devra se battre contre eux. Voilà, les combats avec les vrais... avec des vrais hommes, je trouve ça un peu naze aussi. Franchement, ça change pas que... Ça change pas. C'est comme si on se battait contre des zombies. Ils nous attaquent pas, c'est assez simple. Ah, j'ai encore un petit ralentissement avec frappe. Désolé. Oui, je disais, ça change pas énormément, hein. C'est comme si on se battait avec des zombies, ils sont pas très très forts. Voilà, encore un défaut du jeu, je trouve aussi que les graphismes, c'est honteux. Franchement, moi, je... Voilà, ils auraient pu faire mieux, ils ont un peu amélioré le premier Dead Rising sorti sur Xbox, mais voilà, rien de plus, hein. Et en plus, il y a un effet de bloom, de lumineux, là, tout le temps. Bon, là, ça se voit pas trop, parce que je suis pas en extérieur et je suis pas dans une zone lumineuse. Et voilà, il y a un effet de bloom, mais assez nul, quoi, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu chez Capcom, mais c'est trop lumineux. Des fois, on voit rien. C'est trop blanc, c'est trop pâle. Voilà, moi, je trouve ça un peu naze. Bon, alors, casse cette vitre. Il y a un autre magasin. Je vais me changer les chaussures, regardez. Hop, des petites Converse, là, je pense. Voilà. Là, ça, c'est drôle. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Allez, hop, oust. On peut vraiment s'habiller avec tout et n'importe quoi. Même avec des tenues de femme. Je cherche une tenue assez rigolote, là. Même si j'ai pas trouvé. Rendre les vêtements, bon... pas prendre tout et n'importe quoi, mais c'est assez varié. Alors là, c'est quoi? Ah oui, magasin d'instruments avec la guitare. On se fait un solo de guitare, hop. Assez efficace la guitare. Allez, voilà. Et quand on reste appuyé, il fait un coup comme ça, je gagne 10 pp. Et quand j'appuie très vite, ça fait des coups pour se débarrasser des zombies très rapidement. Alors là, alors le tambour, regardez. Dans la gueule. Ça c'est drôle. Il se le prend dans la gueule, il le garde, hein, il va rester avec. Allez, des amplis pour guitare aussi. Ah mais lui il est monté carrément. Redescend, redescend, va. Il ne fait pas le fou, va. Regardez, à coup d'ampli je les prends. Là on peut foncer carrément avec l'ampli. Alors c'est la batte de baseball. Ah là je me fais encercler. Ah oui, les fameux, comme dans le premier Dead Rising, objets roulants
Regardez, fauteuil roulant, j'en prendrai un avec moi. Voilà, il s'assoit carrément. Et là, je peux tout dévaster. Alors, faut savoir que les armes ont c'est pas à l'infini, quoi. On peut pas les garder. Elles ont une durée limitée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles se cassent, les armes. Donc, c'est pas illimité. Regardez le zombie qui reste toujours sur le fauteuil roulant. Ça, c'est drôle. Mais, voilà, regardez, le fauteuil roulant s'est cassé. Et les armes qui ont des munitions, genre là, j'ai la batte de baseball avec des balles de baseball. Une batte de baseball avec des balles de baseball. Vous regardez en haut à droite, 13, c'est le nombre de balles que j'ai. Et c'est pareil avec les armes à feu, on aura aussi des armes à feu. C'est pas illimité. Alors, je préfère prendre la batte classique. Ah, ça c'est efficace aussi. Alors, je vais chercher un magasin avec une tenue assez droite, je trouve pas. Alors, où ils sont? Alors, regardez là, carrément, le bras d'un zombie, je vais le balancer dans sa gueule, lui, regardez. Ouais, c'est pas très fort, mais ça sert à rien, mais on le fait. Voilà. Prendre des escalators, là. C'est vrai, centre commercial, hein, c'est bien drôle. J'ai pas encore changé, alors là, il faut que je trouve une tenue. Ah oui, j'ai trouvé aussi un magasin, un sex shop, carrément. On peut se battre à coups de code Mickey. C'est vraiment n'importe quoi. Ou avec des jeux pour enfants. C'est, voilà, comme on fait vraiment du tout et du n'importe quoi dans le jeu. Ça, c'est drôle. Alors, regardez l'effet de l'extincteur, c'est assez marrant aussi. On peut geler les zombies, regardez, il y en a plein. Allez, hop, je vais faire la visée comme ça. Regardez, ça me fait penser un peu au film Terminator 2. Quand le T-1000 se fait geler, et hop, regardez. Hop, on pète les zombies, carrément. Regardez, ils arrivent, hop. Je le gèle. Je lui mets un petit coup de... Est-ce que je peux le taguer? Ah oui. N'importe quoi, là. Je l'ai cassé en le taguant. C'était un peu drôle. Ah oui, des assiettes, carrément, regardez. À coup d'assiette. Ah, j'ai encore un petit freeze à cause de Fraps. Désolé. Désolé, désolé, désolé. C'est Fraps sur PC. Hein. J'aurais dû faire le test sur console. Regardez, à coup d'assiette, je vous disais. Hop, hop, hop. Qui veut son assiette? Ça, c'est drôle, hein. Franchement, on bute du zombie à coup d'assiette. À coup de boîte de CD aussi, car ça, c'est... Ah, c'est drôle. À coup de bijoux aussi. On a des bijoux dans le jeu. On ramasse des bijoux, on leur balance à la gueule. Mais toutes les armes avec, vous voyez, comme je vous ai dit, avec une clé à molette. Pas molette, n'importe quoi. Une clé tout court, hein, un icône bleu. On pourra aller dans les ateliers et on pourra les modifier. Un flacon de parfum énorme. Allez, je vais le balancer dans sa gueule. Elle est tombée dessus. On peut les unir pour faire des armes encore plus puissantes. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que tu me veux toi? Tu cours. Voilà. Ah, je vais me faire choper. Voilà, quand on se fait choper, des fois on a des petits QTE. On va appuyer sur les touches au bon moment. Pas se faire niaquer. Ou si on est sur PC, bouger la souris rapidement. Qu'est-ce qu'il y a encore que je vous ai pas dit, que je vous ai pas montré? Là, je vous ai pas encore montré des endroits en extérieur. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Là, vite fait, je vais pas... Non plus, on va pas rester 10 ans. Regardez les bijoux là. Les gemmes, ça s'appelle. Et on balance des bijoux dans la gueule. Tiens, prends-toi ça. C'est drôle. Tiens, bouffe. Bouffez, regardez. On peut balancer tout et n'importe quoi à peu près. Même des bouquins et tout. Alors, quand on n'a plus d'armes, il fait un petit mouvement de recul. Quand l'arme, elle s'use ou quand on finit les munitions. Encore une caisse enregistreuse. Un argent important. On devrait avoir pas mal d'argent pour acheter des tenues ou des fois des armes carrément. Des armes à feu. Alors. Je vais essayer de vous montrer un endroit à l'extérieur, puis on va s'arrêter là. Hein. Je vais pas vous montrer tout le jeu, le scénario. Ah oui, les nourritures, je vais pas vous montrer. Regardez là, ma barre de vie, en haut à gauche, les petits carrés jaunes. J'en ai deux qui sont vides. Quand je vais manger quelque chose ou boire un truc, je vais me soigner, regardez. Hop. Allez, là, il boit du vin. Hop, hop, ça me régénère. Faut savoir qu'aussi, on a des aliments variés qu'il faut éviter, sinon Chuck va être malade, le héros qu'on incarne. Je me suis pas encore changé, c'est hallucinant. Attends. Ah ouais, et quoi, il y a des petits bouquins. C'est des vraies images, c'est bien fait. Je me suis pas encore changé, hallucinant. Attendez, il faut que je trouve un magasin avec des habits. Ah, là, il y a des habits pour enfants. Regardez, il va s'habiller en grenouillère. Enfin, faut que je trouve voilà, grenouillère. Regardez. Sweet, il dit en anglais. Avec mes Converse d'origine que j'ai gardées. Regardez avec le chapeau, l'allure qu'il a. C'est vraiment n'importe quoi. On peut s'habiller avec tout et n'importe quoi, franchement, dans le jeu. Une tenue de femme, des tenues assez sexy aussi. Style gogo danseur ou je ne sais quoi. Ah oui, il y a aussi des véhicules. Je ne vous ai pas parlé des véhicules. On a des véhicules dans le jeu. On pourra conduire des vrais véhicules ou sinon des véhicules assez loufoques. Genre, regardez, là, il y a un tricycle. En plus, je me suis habillé comme une petite fille.
Allez, hop, un tricycle de petite gamine, regardez, on va écraser des zombies. Regardez la vitesse, il pédale sur un petit tricycle, ça c'est... Ça c'est drôle, c'est n'importe... Je te jure, c'est du grand n'importe quoi, je le traîne carrément. C'est assez drôle, c'est assez n'importe quoi, franchement, frère. Regardez, il roule sur son petit tricycle, il a habillé comme un enfant avec un bob sur la tête. C'est pas un tricycle, moi je dis tricycle, c'est un vélo à deux... La petite roulette à l'arrière, je dis n'importe quoi. Regardez, c'est c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est ça, Dead Rising, c'est le fun, on fait n'importe quoi. Puis regardez, à droite, la barre de mission, en haut à droite, là, dossier 1-2. Vous voyez que la barre a diminué, comme je vous avais dit. Elle est jaune maintenant, en dessous de la mission, là. Et voilà, moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il n'y aurait pas eu cette barre, qu'on pourrait profiter comme ça. Vous voyez, là, on profite. Ah, frappe ce qui bloque encore, désolé. Ah, des petites coupures, je suis désolé, je vais essayer de faire pour que ça gêne moins dans le montage vidéo, je vais essayer de bien couper les vidéos. Alors je disais oui, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette barre là, parce que franchement ça nous gêne dans le jeu. Moi j'aurais préféré profiter comme ça, genre de défourailler du zombie, profiter du gameplay vite fait, puis après reprendre ma mission. Mais hélas on peut pas, voilà, on est limité par le temps. Si on fait pas les missions, ben soit on fait, c'est le game over, soit on aura une mission alternative. Alors je vais me changer, là je sais qu'il y a une tenue qui est drôle. Et une tenue de fille. Regardez, ça va pas lui plaire. Regardez, ça lui sert entre les jambes. Regardez l'allure qu'il a. C'est assez bustier mini-jeu poussé, regardez. C'est assez comique, on peut faire tout et n'importe quoi. Franchement, si vous étiez dans ce jeu, on peut utiliser n'importe quelle arme, s'habiller n'importe comment. Regardez, hop, je continue. Bon, je vais vous montrer un élément, un endroit. Est-ce qu'on peut faire des cascades? Oui. Alors, Tony Hawk, là, on se prend. Allez, ah, regardez, je suis en mini bustier avec un vélo à trois roues. C'est assez n'importe quoi. Regardez, il y a un véhicule, mais j'ai pas les clés. Sinon, j'aurais pu le conduire dans le jeu. Je vais vous montrer un élément en extérieur, puis on va s'arrêter là. On va pas continuer sans pas non plus. Regardez, là, je me fais une brochette de zombies. C'est du n'importe quoi, c'est assez impressionnant quand même, tous les zombies affichés en même temps. Ça rampe pas des masses. Ah voilà, le tricycle là ne fonctionne plus, le vélo plutôt. J'arrête de dire tricycle, je vais sortir. Petit temps de chargement. C'est assez hallucinant le nombre de zombies affichés à la fois. Encore là j'ai des petits ralentissements parce que je capture sur PC avec frappe, c'est ça fait un peu ramé. Mais quand je joue, je suis en qualité à fond. Mais quand je joue, en plus là j'ai fait un effet de flou, donc ça fait laguer un petit peu, c'est un peu naze, j'aurais dû l'enlever. D'ailleurs, je vais l'enlever. Attendez, parce que là, je vous montre, mais ça rame un petit peu. Regardez le nombre de zombies affichés, quand même, c'est hallucinant. Franchement, j'ai jamais vu autant de zombies dans un jeu vidéo. Même dans le premier Dead Rising, c'était pas assez autant... Il n'y avait pas autant de zombies, quoi. Regardez le nombre de zombies, quoi, c'est hallucinant. Allez, je prends un ballon de foot. On va se la prendre à lui, Tom. Ah. Ah là là, il me mord. Et voilà quoi, c'est assez hallucinant. Bon là ça rame un petit peu parce que je vous ai dit j'ai fait un petit effet de flou. On me propose dans les réglages de faire un effet de flou. Bon ça rame un petit peu, un tout petit peu, on perd en FPS. Mais quand je joue sans frappe, sans capture sur PC et puis sans cet effet de flou en qualité à fond, ça rame pas des masses. Franchement, c'est assez hallucinant. Mais regardez-moi ça, regardez le nombre de zombies. Vous voyez dans le fond, c'est pas des décors ça, c'est réellement des zombies. Regardez, on va y aller. Sans se faire trop niaquer. Bon, heureusement que... Imaginez-vous qu'ils se mettent tous à courir là. On serait pas dans la merde. Heureusement qu'ils sont lents. C'est quand même hallucinant le nombre de zombies affichés. Je comprends aussi que les graphismes ne soient pas très 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 fins, très très beaux. Parce que je pense que si on aurait optimisé les graphismes, ça aurait ramé assez sévère. Alors on a des mini-jeux. Ah, la tondeuse. Attendez, d'abord on va vous montrer les mini-jeux. Je vous montre la tondeuse. Ça c'est fun. Allez là, on va jouer au jardinier. Regardez. Voilà, on peut carrément les écraser avec. Ça nous rapporte des points d'expérience de faire ça. Regardez. Alors là, c'est assez... On peut vraiment... Il y a de quoi faire, quoi, avec tous les zombies qu'il y a. Ah là là. Attendez, c'est bloqué sur le trottoir, là, sur le bout. Pas que je reste trop encerclé, là. Hop, hop, hop. Voilà, je vais essayer un peu de speeder. Je trouve la vitesse du jeu assez lente. Pas lente, mais le personnage qu'on a manié, check. Voilà, quoi. Il dirait qu'il court en mode time bullet à chaque fois. Regardez comme il est lent. Mais bon. Je trouve ça un peu lent, mais bon. Les zombies sont encore plus loin que nous, donc ça va. Donc ça va. Alors, il y a des mini-jeux. Attendez, j'ai pris l'enseigne, je voulais pas prendre ça. Prendre le pistolet à eau, qui nous sert à fabriquer une arme encore plus puissante.
Si on l'amène dans la salle de maintenance qui est juste là. Attendez, je vais balancer ça. Oh là là, il commence à arriver en nombre là. J'aurais pas dû rester comme ça. Oh, tout ça parce que je vais prendre le pistolet. Oh, attendez. Je vais vous montrer le pistolet. Je vais les... Voilà, un bon coup. Puis je vais les péter là. Voilà, je vais mettre des coups de batte de baseball pour me frayer un chemin. Est-ce que tu veux prendre ça? Ah, j'ai pris le pistolet à eau, vous allez voir. Il y a une touche pour sauter aussi. Ah là là, frappe sans corps, bloc. Ah là là. Ça me gêne vraiment ça. Voilà, le pistolet à eau, regardez. On leur balance des jets d'eau. Bon, là, l'arme, elle sert vraiment à rien, mais quand on la fusionne avec d'autres... je vais pas vous dire, je vais pas vous gâcher la surprise. Hein. Vous verrez les mélanges qu'on peut faire, mais quand on la mélange avec un certain objet, ça fait une arme assez redoutable. Alors là, il y a des mini-jeux. Je n'arrête pas de m'interrompre depuis tout à l'heure. Il y a des mini-jeux, mais s'ils me laissent pas... monter sur la boule. Bon bref, je vais pas vous montrer parce qu'il y a trop de zombies. Mais on peut jouer à tourner dans tous les sens avec cette boule. On aurait un petit QTE, il faudra appuyer sur les touches au bon moment. Et pour tourner dans la boule, c'est assez marrant. Il y a pas mal de petits jeux comme ça. Des mini-jeux. Et c'est assez drôle. Regardez le nombre de zombies. C'est assez. C'est un truc de ouf, quoi. Y a rien à dire même pas. Je sais pas si je le compare par exemple à un jeu comme Left 4 Dead, par exemple, avec des zombies. C'est pas autant. Regardez-moi ça. C'est assez hallucinant ce qu'on fait Capcom. Voilà, je vais vous montrer notre endroit vite fait. Et puis on va s'arrêter là. Alors moi, mon avis sur le jeu, je trouve que le jeu est fun. C'est un bon défouloir. Bon, le prix aussi. Le prix, je n'ai pas parlé du prix du jeu qui est 40 euros sur PC. Sur console, je pense que c'est à peu près pareil. Qui est pas très cher. Un coup de projo, toi, tiens. Qui est pas très cher. Donc ça va, ça passe. C'est pas très... c'est pas de l'arnaque. Mais bon, moi je trouve le jeu, c'est un monde défouloir, mais voilà, quoi, sans plus, c'est... on va pas rester des heures sur ce jeu, quoi. Franchement, moi, je m'y amuse vite fait, là. Mais, ah, au bout d'un certain temps, on s'ennuie, il faut avouer. Puis la réalisation n'est pas très, très... La réalisation n'est pas très... très bien finie, quoi. Vous voyez que c'est un peu... Les textures sont un peu anciennes, il y a un peu d'aliasing. Voilà quoi, c'est le jeu qui a été fait pour 40 euros, pas plus quoi, le minimum syndical. Mais bon, avec le nombre de zombies affichés, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire mieux. C'est quand même assez fort. Mais voilà, la réalisation, elle aurait pu être un petit peu mieux finie par rapport au premier Dead Rising, parce que ça ressemble beaucoup au premier Dead Rising. Mais bon, comme il était sorti que sur Xbox, je pense, je sais pas s'il est sorti sur PS2, mais bon, je sais que sur PC, il n'était pas sorti. Mais comme c'est le premier Dead Rising multiplateforme, je lui pardonne ses petits défauts car il ressemble vraiment au premier Dead Rising. Alors vous voyez qu'il y a un PNJ là, un joueur Chad là, il essaye de se dépêtrer, je vais l'aider. Ça c'est des missions annexes, comme je vous ai montré tout à l'heure. On devra aider les survivants et les ramener en lieu sûr dans notre planque du début. Voilà, bon je vais pas le faire, hein. Je sais se débrouiller, il a un fusil à pompe, bon, j'ai des armes qui sont pas assez puissantes pour l'aider. Quoi, je pourrais l'aider. Alors là, attendez, les zombies me courent derrière. Allez, voilà. Je vais me saper avec la chemise quand même. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Et ça fait un petit peu... Genre le mec qui part en vacances. Et voilà, on va s'arrêter là. Dead Rising 2, c'est un bon jeu. Franchement, un bon défouloir. Un bon beat'em all. Avec des bonnes idées, on peut fabriquer, on peut combiner plusieurs objets. Pas tous, hein, mais on peut combiner plusieurs objets. Mais c'est un bon petit jeu, c'est pas très cher. Voilà, je vous conseille, mais voilà, vous ne vous attendez pas à un scénario de ouf une longue durée de vie, voilà. Mais c'est un bon petit jeu. Allez, je vous laisse là et bonne vidéo à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.